Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBPay Pro 2017. Donc après avoir vu un tutoriel sur les absences conventionnelles, donc nous allons voir maintenant les absences légales, comme notamment eh bien, toutes les absences, on va dire, comme la maladie, tout ce qui concerne arrêt de travail. Donc nous allons voir comment il faut procéder maintenant pour mettre en place ces absences maladie directement dans le bulletin de paie. Nous verrons également les documents administratifs qui en découlent. Et nous verrons, alors on le verra dans un second temps, hein, par rapport à la DSN, puisque maintenant, effectivement, cette procédure est quasiment obligatoire pour toutes les entreprises. Donc là, je vais en parler un petit peu dans ce tutoriel.